Les sanctions sont lourdes. Mutation d'office, suspension de 15 jours sans traitement, abaissement d'échelons et blâme, les quatre professeurs de MEL ne s'attendaient pas à payer aussi cher le prix de leur combat contre la réforme du bac. D'autant plus que, encore une fois, les conseils de discipline n'ont validé aucune de ces sanctions. Donc on s'attendait à ce que la rectrice respecte les commissions qu'elle met en place et les procédures légales qui sont de mise dans l'éducation nationale. Depuis le départ, ça fait des mois qu'on dit qu'on est sanctionné d'avance, que les enquêtes administratives et les protocoles qui nous sont imposés sont une mascarade. Aujourd'hui, c'en est la preuve. Ces procédures ne sont pas respectées. Au lycée Joseph Desfontaines, ces élèves de terminale qui ont participé au blocage aux côtés des professeurs en janvier et février dernier considèrent que ces sanctions sont disproportionnées. Ils ne nous ont pas du tout influencés dans nos choix si on devait passer l'épreuve ou pas. Genre, on a fait ce qui nous semblait le mieux pour nous. Et parce que les conditions, c'était n'importe quoi. Depuis l'annonce des sanctions, les professeurs de l'établissement n'osent plus exprimer tout haut leur soutien envers leurs collègues. Soumis malgré eux à une obligation de réserve que leur impose la loi Blanquer, ils craignent de subir, à leur tour, la sévérité de leur hiérarchie. Pour ce représentant FSU, l'objectif de ces sanctions est de faire peur. Il conteste également l'enquête. Il s'avère qu'elle est très fragile, cette enquête administrative, puisqu'elle dédouane complètement toute la partie organisationnelle de ce bac, et elle impute tout aux collègues qui ont été traduits devant ce conseil de discipline. Les quatre professeurs souhaitent ne pas en rester là. Leur espoir, user de tous les recours possibles pour dénoncer les sanctions du rectorat.